Mathieu, ADP, adresse un message sec à ses haters, persuadés de connaître la date de son décès. Mardi 27 juin, Mathieu a poussé un gros coup de gueule dans sa story Instagram. L'agriculteur, révélé dans la 15e saison de L'Amour est dans le Pré, n'a pas apprécié les nombreuses critiques sur son projet de GPA, alors même qu'il est atteint d'une maladie qui écourte son espérance de vie. En 2021, Mathieu et Alexandre filent le bonheur parfait. Les candidats phares de la 15e saison de L'Amour est dans le Pré se marient devant leurs proches, avant de faire part d'un projet qui leur tient à cœur. Devenir parents. Le couple passionné de chevaux entame alors une procédure de GPA, gestation pour autrui, afin d'accueillir un bébé. Mais quelques mois plus tard, le couperet tombe. Irréconciliables sur leur projet de vie, les tourtereaux décident à la surprise générale de se séparer. Mais Mathieu n'abandonne pas pour autant son rêve de devenir père, et multiplie les voyages en Colombie où se déroule le projet, interdit en France. Un projet pour lequel il montre une impatience particulière, puisque l'ancien éleveur de chevaux en Camargue est atteint de deux maladies génétiques, qui augmentent grandement ses chances de faire un AVC fatal. Un peu d'amour, d'empathie et de sympathie. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de vouloir aller au bout de son aventure familiale, au point d'y consacrer une grande partie de ses économies. Si le bébé n'est toujours pas arrivé, Mathieu rêve déjà de sa nouvelle vie de papa, que ce soit un petit Ezio ou une petite Pia qui le rejoignent dans les prochains mois. Mais son projet ne fait visiblement pas l'unanimité auprès des internautes, puisque l'ami de Karine Le Marchand a décidé d'adresser un message pour le moins sec en story Instagram ce mardi. À toutes les personnes qui quotidiennement parlent de mon égoïsme d'avoir un enfant en étant persuadées de connaître la date de mon décès. Je leur offre ces fleurs. Puissent-elles leur apporter un peu d'amour, d'empathie et de sympathie, écrit-il en légende d'une photo de lui torse nu. Mathieu aurait donc été la cible de haters ne comprenant pas pourquoi il souhaite accueillir un enfant alors même qu'il pourrait être victime de ses maladies génétiques à tout moment. Mais il semble bien décidé à prouver à tout le monde que le bonheur n'attend pas, malgré un couperet toujours présent.